pas changé ça. Alors, test du micro. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce stream du lundi. Nous sommes en guerre. Donc j'ai Mayork qui m'a déclaré la guerre, cette bande d'abrutis. Ah oui, je crois que j'avais défendu avec succès une armée composée que d'archers, je crois. C'est ça, avec de la cave. Et là, j'étais en train d'attendre en fait de recharger mes troupes avant d'y aller. J'ai 1100 et des brouettes, j'ai pas mal de bouquins. Le soleil éclaire toujours vos pas. Pas mal de livres. Par contre, j'ai peu de gens dans ma Son Excellence le roi et sa très noble famille. J'ai essayé de marier le prince Oud. À portée de votre main. Que les Bretons ont une fille? Non. La France a une fille? Non. Bourgogne? Non. Savoie? Oui. Bon, Amadeus, hein, Mozart, ça te dit un mariage royal? Voilà. Ok, vas-y. On marie la première fille de Mozart. Ok. Je commence à poser mes pions politiques. À poser les pions politiques pour le coup. Nous avons reçu un message diplomatique. Sire, nous avons achevé une amélioration. Vous devez me libérer, car j'ai épargné nombre de vos hommes. Non. C'est la guerre, pour l'instant je le garde chez moi. La croisade a atteint son saint objectif. L'opinion qu'a de nous notre paysannerie s'est améliorée. Une nouvelle amélioration. Donc ça va me coûter 184 de régénérer à fond mon armée. Donc je vais la régénérer là d'un coup. Et je vais peut-être prendre une unité de cave. On va attendre un peu. Je vais commencer lui de façon à lui payer des choses. Genre ça. Ça va me coûter 500 soldats. Donc pour l'instant c'est mort. Par contre je crois que je peux. Je peux lui faire des. Ça nécessite l'atelier de siège. Chose que je n'ai pas, je crois. C'est la dernière amélioration qui me manque.
Et c'est le baron Sevik. Alors le baron Sevik. De nouvelles tactiques. Elles devraient se révéler utiles. Mes connaissances sont plus vastes. Ok. Là, je lui donne tous les bonus possibles. Petit bonus. Pour l'instant, Majorque n'a plus d'armée. Enfin, en vrai, Majorque, c'est pas non plus la plus grosse des villes. Donc là, je peux tranquillement attendre et charger mon armée tranquillement sans me prendre la tête. 250, ça devrait arriver dans quelques mois. Là, il me faut des chevaux dressés et des barriques. Alors, je crois que j'ai du travail du bois quelque part. Il va me falloir la série ici. Un message diplomatique est arrivé. Le quoi, Majorque? Nous avons reçu un message diplomatique. Non, Majorque, on va aller t'éclater la bouche. Nous. On va commencer déjà à aller piller la zone. On sait déjà à piller la zone. Ensuite, je vais envoyer le chevalier M. Wow, et ta gueule. Je vais écraser ces misérables cafards. Sire, nous avons achevé une amélioration. Ah, j'ai perdu le droit d'héritage. J'ai pas récupéré le royaume de Savoie. Par contre, je peux refaire un non-agression. Ah non, d'accord. Donc, lui, comme il va mourir. Son Excellence le roi et sa très noble famille. Je me tiens à prendre un commerçant pour faire un peu plus de pognon. Et donc il y a un peu plus. La tonnellerie déjà, ça augmente pas. Sire, notre renommée a décliné. Ah putain, on a réussi à se faire sortir des grandes puissances. Grande puissance. Notre prince est le Hod, s'il est maintenant à but. À la cour royale. Apprentissage, il l'a déjà en tant que tradition. Demain, nous serons plus riches. Nos armées ont pillé une propriété. Un message diplomatique est arrivé. Arrêtez de vouloir me faire attaquer la France. Les autorités de Majorque, j'en ai un peu rien à foutre. Tout Allez. Détruisez ce nid de vermine. Ah d'accord. Attaquons, mes valeureux guerriers. Ok, yeah, donc là on l'aura. Ici. S'il y a moyen que j'augmente les ressources que je peux envoyer. Les liens royaux. Ok, donc j'ai ma fille. Sage des dirigeants et sa famille. La princesse Kliara. D'accord. Là, j'ai tenté quand même de la marier au Aquitaine. Ah, parce qu'elle est adulte, hein? Là, j'essaye de choper en fait les compétences
un des héritages du roi avant que celui-ci ne Nos décède. Éclaireurs ont repéré un camp de mercenaires. Nous avons pillé une propriété ennemie. Nous avons renforcé l'opinion qu'a de nous notre armée. Les marchands de notre royaume applaudissent nos actions, sire. Mettez ce village à sac. Pour l'honneur. Attaquons. Comment c'est qu'ils sont devenus déloyaux? Nous avons reçu un message diplomatique. C'est quoi cette blague? Oui, après. Hein, après, pour l'instant, moi je suis vieux. Hein. Oui, ils sont devenus déloyaux. Je ne comprends pas qu'est-ce qui leur a donné envie de devenir déloyaux. On va augmenter ça. C'est ça. Et c'est quoi? C'est pourquoi? Parce qu'il y a une révolte? Non, tension culturelle. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une vieille saloperie ici, quoi. Un message diplomatique est arrivé. Nos armées ont pillé une propriété. L'opinion qu'a de nous notre armée s'est améliorée. Nous avons amélioré nos fortifications. Tout de suite. Hésite à envoyer ma cavalerie tout de suite. 1200 hommes en plus. Sire, un de nos prisonniers a été exilé par son royaume. Ah, relâchez-moi ou je vous tuerai. Une offre honnête pour ma liberté. Et envoyez emmerder les Germains. Nos rangs ont été renforcés par une autre armée. Envoyez-moi simplement l'or. J'ai arrangé ce que vous aviez demandé, votre seigneurie. Un nouveau pape dirige l'Église catholique. Là, ça prend un peu de temps, mais je devrais pouvoir défoncer Palma. Papéus Ier est mort. C'est que c'est con, ils tiennent bien. Ils hein. Seront bientôt une brèche dans leur défense. Je suis désormais puissant et intelligent. Vous ne le regretterez pas, votre seigneurie. Nos soldats commencent à manquer de vivres. Nous avons reçu un message diplomatique. N'économisez pas sur mes accords commerciaux, sire. Ah mais il a quoi? Il y a que des gardes de la ville et des paysans. J'ai arrangé ce que vous aviez demandé, votre seigneurie. Voir s'il veut ne plus faire la guerre. On va tenter de le vassaliser. Une amélioration a été terminée, votre seigneurie. Nous ok, donc c'est devenu mon vassal. Nos armées ne se battent plus. L'autorité de notre couronne a augmenté. C'est devenu mon vassal. Nous avons fait plaisir à notre aristocratie. Ouais, si je dis pas de bêtises, j'ai réussi à vassaliser. Si je dis pas de bêtises, j'ai maintenant un vassal. Et sa très noble famille. Et ça, c'est devenu mon vassal. C'est une bonne stratégie. Votre seigneurie, nous sommes désormais reconnus comme une grande puissance. Ok, c'est devenu mon vassal. C'est pas mal. Tiens, il va faire Je une mission religieuse. La vraie signification de notre religion.
Notre roi est mort. Saluons son successeur. Nous avons courroucé notre aristocratie. Oui, bon, ils font chier les aristocrates. Gagne en puissance. Un message diplomatique est arrivé. Un investissement très pertinent. Mes humbles compétences s'améliorent. Ok. Qu'est-ce qu'il a des filles, lui, non ? Le dirigeant et sa famille. Pas de filles. Considérez que c'est fait, sire. Nous avons reçu un message diplomatique. Non, faut arrêter avec ça, je n'attaquerai pas la France. En vrai, l'Aquitaine, tu peux te faire raser, je m'en fous. Décliné, et nous ne sommes plus une grande puissance. Par contre, ici, ils ont une rébellion, et ça, je peux peut-être en profiter, hein, pour le coup. Ça me coûterait 4000 balles là de débloquer un nouveau slot. Et quoi ici de truc intéressant? Je pourrais aller faire un marché alimentaire. Non, ce serait pas dégueu un marché alimentaire. La guilde des marchands. Non, c'est ça. En fait, il y a tout de bien là. Il y a tout de bien, donc on va débloquer un nouveau slot. Hop. Et je vais aller chercher le marché alimentaire, je pense. Là, je peux débloquer un nouveau... Oh, l'Angleterre, 95 balles. La France, 73. Mais on va pas commercer avec des Anglois. Je vais commercer en Anjou. L'exportation et l'importation sont une seconde nature pour moi. Place au commerce. Un message diplomatique est arrivé. Ah, l'Écosse a capturé l'Irlande, tiens. Normalement, je crois que je leur avais envoyé aussi une autre... je leur avais envoyé une rébellion aussi aux Germains, là, qui avait commencé sur la pointe nord de l'Italie. Là, je construis le marché alimentaire. Ils me font chier, les Barcelonais. Hein. Ils me cassent les noix, hein, quand même. Hein. En vrai, ils me cassent les noix, les Barcelonais. Hein. Notre économie. Ah, mais lui, je l'avais trouvé femme, lui. Oui, Comtesse Mathilda. Oui, je l'avais trouvé une femme, lui. Donc là, c'est bien, hein, parce que là, c'est en train de bouffer la terre des Germains, ça. Peut-être limite essayer d'aller coloniser Lyon en Tsum Tsum, quoi. Une nouvelle amélioration a été terminée, votre seigneurie. Un nouveau bâtiment vient d'être terminé, sire. Il me faut des meubles. Comment je fais des meubles? Il va me falloir de l'huile. Alors comment je produis l'huile? Nos avantages et nos marchandises.
de la culture de lin. Pas un endroit où j'avais vu de la culture de lin, moi. Non, par contre, ici, j'ai l'élevage de chevaux qui pourrait être pas mal. Je crois que c'est ici qu'il y a la culture de lin, je crois. Il y a des vignes, une forêt dense, des collines, un gisement de salpêtre, du bois de construction, du charbon, de la barrique, quoi. Je crois que sinon, c'est à Marseille. Ouais, Marseille aussi a des bonnes choses. Ah, coucou Terps. Nous avons reçu un message diplomatique. Arrêtez de vouloir attaquer votre chef. Ah ouais, non mais la France s'en prend plein la gueule. Entre toutes les... ouais d'accord, la France s'en prend plein la gueule. Il y aurait moyen d'aller choper Orléans comme ça, là. Il y aurait peut-être un petit moyen d'aller choper Orléans. Une amélioration a été terminée. Votre Pourquoi je me frappe à moins 7? Ah, parce qu'il y a une occupation de rebelles. Bah oui, bah c'est bien ceux d'Orléans, oui, c'est ça. Hop, ils vont aller là. Envoyer ma troupe là. Un repas chaud. D'abord d'aller récupérer enfin. Un truc. Quand tu vas, Terce? Là, j'ai plus de troupes. Considérez que c'est fait, sire. Pour la couronne, c'est fait. Je vais aller récupérer Orléans des mains des brigands. Nous sommes en route. Ne laissez personne entrer ou sortir de ce château. Attaquons, mes valeureux guerriers. Fini d'attendre. Percez une brèche dans le mur. Comme ça. Nos troupes se sont retirées du champ de bataille. Ah putain, ils ont récupéré Orléans. Oh, je voulais la récupérer au nez à la barbe, quoi. Putain. La reine a donné naissance. Ah, un prince. Un guerrier en plus, c'est bien ça. C'est bien ça, un guerrier ça. Oui, votre seigneurie. La Lyon, apparemment, ça en a fini avec. Ça en a fini. L'Allemagne. Ouais, c'est des grosses armées, les Allemands, j'ai l'impression. Ils sont en guerre avec qui, les Allemands? Ils sont ennemis avec les Italiens, tiens. Ils sont apparemment ennemis avec les Italiens. Et le pire, c'est que je peux pas les attaquer, parce que si je dis pas de bêtises, je suis ami aussi avec l'Aragon. Et sa très noble famille. Bah moi j'étais en congé aujourd'hui, enfin j'ai posé mon lundi. L'Aragon, s'ils se mettent à m'attaquer, ça va vite me casser les couilles. Liberté au peuple. Vos ordres, nous marchons. Bon bah on va attendre un peu. Retournons au château. Ouf. De l'argent tenter, bien hein. Dépensé. 2000 balles pour en gagner 5000. Pourquoi j'ai plus de bouffe? Chaque livre que je lis rapporte des bénéfices. Il y a une rébellion pas loin. Ah oui, non, mais l'Allemagne se prend des rébellions dans tous les sens. Hein. L'Allemagne qui se prend des rébellions, mais dans tous les sens. Un message diplomatique est arrivé. C'était une belle journée pour le commerce. Attends, est-ce qu'ici j'ai pas juste assez pour pouvoir acheter un nouveau truc? 720? Oh, c'est fort ça. Ouais, ça il me le faut, ça c'est fort ça. Faut que j'attende 720 livres. Je vais essayer de récupérer Marseille sur la route. En fait, d'avoir toute la pointe sud de la France, d'avoir la pointe sud. En tout cas, la majeure partie de la pointe sud de la France toulousaine. Donc là, faut être patient, hein. Faut laisser les... Faut laisser les brigands se charger de ça. De toute façon, je refuse toutes les demandes d'attaque.
Un très bon plan, sire. Mais non, laisse-toi faire. Rends-moi le Marseille. Toutes les affaires se sont déroulées comme prévu. Sire, je vous présente la famille royale. Ça, j'avais dit que c'était fort. Nous avons fait plaisir à nos marchands, sire. Hein, comme ils ça. Ils ne s'attendront jamais à ma présence. Et je vais lui faire infiltrer le royaume de Germanais. À la Coumanie, la Germanais. Bon, les Germains, ils sont là. J'ai brûlé votre missive et j'ai commencé mes préparatifs. Qu'est-ce que tu fous chez moi, le Germain, là? Putain, j'ai presque envie de déclarer une guerre aux Germains, quoi. Aller récupérer Lyon là, Lyon qui est quand même très mal en point. Alors ils ont une bonne pas mal de ouais ils ont pas de défaut. Et quoi, j'ai du pognon à poison, si tu meurs c'est pas grave. Une petite erreur. Il a échoué mais il est pas mort, c'est pas. Alors un marché équestre. Ah, il peut encore faire des trucs apparemment. Ce n'est pas trop risqué, n'est-ce pas? Mais non, tu vas mourir, mais c'est pas risqué. Ce n'est que le début. Nous avons reçu un message diplomatique. Arrêtez de vouloir attaquer la France, putain, faites pas chier. Ah oui, mais d'accord, la France, en fait, se fait mais dérouiller, quoi. Sire, nous avons achevé une amélioration. La France qui est en train de devenir bretonne, là. S'il m'attrape, dites que vous ne me connaissiez pas. Les idiots s'y sont laissés prendre. Ok, donc j'ai soudoyé un maréchal. Il va en fait me donner des informations sur leur territoire maintenant, si je dis pas de bêtises. Un camp de mercenaires a été repéré sur nos terres. Rumeur. Alors notre espion, selon laquelle la situation de l'or se fait rare et leur roi est en train de perdre la loyauté de sa cour. Oh. Donc c'est peut-être le temps de les attaquer légèrement en fait, et d'aller récupérer Lyon. Hein. C'est peut-être le moment de les attaquer, parce que j'ai pas une armée qui est dégueu non plus. J'ai pas plus 8. J'ai pas une armée dégueulasse. Un repas chaud, enfin. Adoptant cette tradition... tradition. Son Excellence le roi et sa très noble famille. Ça, c'est la logistique. C'est la logistique. Là, on s'en bat les reins, moi j'y vais. Là, je vais commencer à préparer d'autres unités. Je vais me faire quasiment une armée de... Je vais enlever deux caves. Mettre trois archers. Et... deux lanciers. Notre petite armée, pour le coup. Seigneur, pour la couronne. Nous sommes en route. Et apparemment, lui est en train de perdre toutes les, toute la. Bah, c'est le moment de déclarer la guerre aux Germains. L'autorité de notre couronne s'amenuise, votre seigneurie. L'opinion qu'a de nous notre clergé s'est détériorée.
L'opinion qu'a de nous notre paysannerie a pris un coup. Vos ordres ? Quelles sont vos volontés ? Détruisez ce nid de vermine. Donc là, je vais envoyer les deux armées. Je vais commencer déjà à les emmerder. Les forces ennemies ont mis fin à notre pillage. Ah ! Rayez-vous un chemin ! C'est quoi cette armée ? Des archers, des paysans. Alors eux, faudrait qu'ils arrivent assez vite. Pour que je puisse lancer la guerre. Merde, putain, c'était pas le bon. Des troupes supplémentaires nous arrivent en renfort pour la bataille. L'ennemi gagne en puissance, votre seigneurie. Nos gardes. Oh putain, j'ai l'Aragon qui. Un chevalier étranger. Mauvaise nouvelle. Ils ont capturé un de nos chevaliers. Sire, notre pillage a été interrompu par des forces hostiles. Un message diplomatique est arrivé. Jusqu'au dernier. Donc là, j'ai gagné. Les troupes ennemies viennent de franchir nos frontières. Sire, les musulmans appellent au djihad. Combattez avec honneur. Non, ça se passe pas comme je l'avais prévu. Ça se passe pas comme je l'avais prévu. Nos redoutables armées ont incendié une propriété ennemie. Comme vous le souhaitez, je vais descendre sur l'Aragon. Quels sont vos ordres ? Et eux, je vais les ramener là. Mes troupes attendent. Ça s'est pas passé comme je l'avais prévu. Pour l'honneur, attaquons ! Il est bon d'être chez soi. Un royaume a relâché notre chevalier, sire. Il est de retour à la cour royale. Nous avons obtenu les faveurs de notre aristocratie. Nous avons reçu un message diplomatique. Oui. Notre prince a grandi et peut acquérir de nouvelles compétences. En fer. Je n'ai pas pu le faire. Tout de suite. Là, j'ai perdu une unité dans cette armée-là. Ah, et là, il va falloir que je commence à améliorer mes villes pour mon pouvoir commencer à créer. Commercial là-bas vient d'être conclu. Pour pouvoir commencer à créer du vrai chevalier. J'aimerais bien arriver à récupérer Marseille. Voir si l'Aragon. Non, l'Aragon veut pas, donc je pourrais peut-être essayer d'aller récupérer Pampelus là. Déjà, j'aimerais arriver à récupérer Marseille déjà. Pourtant. L'important, c'est Marseille. Oui. C'est quoi ? Ouais, la merde. «
La reine a donné naissance à un prince. Un nouveau prince. Franchement, j'ai pas envie d'un diplomate, j'ai envie d'un assassin. Un Afifioun. Vous ne le regretterez pas, votre seigneurie. Ah, mais c'est que ça tient, hein. Je parie que nous en retirerons quelque chose. Mes troupes attendent. Sire, nous avons repéré des mercenaires qui campent sur nos terres. Un message diplomatique est arrivé. L'opinion de nos marchands s'est améliorée. Je voyagerai au loin pour vous rapporter des richesses. J'ai vu une nouvelle armée de... Nos rangs ont été renforcés par une autre armée. 4100 balles, je les ai pas. Oui, votre seigneurie. Ici, je peux pas les payer. 5400 balles pour avoir les cavaliers Pronoia. Quelle bonne affaire, j'ai encore compris. La question que je me pose, c'est est-ce que j'aurai assez pour pouvoir entretenir une armée pareille, en fait. Sire, le djihad a pris fin. Seigneur, je vais les prendre aussi. La grosse cave, donc ça va m'aider à prendre Marseille. C'est ça d'avoir plein de pognon. Au combat pour la victoire. Une nouvelle amélioration a été terminée, votre seigneurie. Ce n'est pas tenter de provoquer risqué, un supplément. Désolé, mais je n'ai pas réussi. La chance sourit aux audacieux. Là, je voulais construire une grosse armerie. Je voulais construire une armerie. Ont pillé une propriété. La reine a donné naissance. Encore un nouveau prince. Là, il est pas terrible, celui-là. Là, il est pas terrible. Un message diplomatique. Je vais l'éduquer en tant que diplomate. La France nous demande d'attaquer la Bretagne. Bataille gagnée. Ouais, prochain. Là, j'essaye de récupérer des villes, donc clairement, je m'en tape maintenant. Pour l'honneur, hello, Sim. Attaquons. Là, j'essaye de récupérer des villes. Je suis aussi insaisissable que la brume. J'ai appris une ou deux astuces. Pas encore. Non, pour l'instant, je peux pas attaquer. Par contre, est-ce que mes gamins... Oui, mon héritier, le prince Guy. Sa famille. Le prince Guy peut avoir des enfants. C'est que des princes. Poitiers, ça s'est retourné contre la Bretagne. La Bretagne n'ont pas de filles. L'Angers n'a pas de filles. Les pauvres, la Bourgogne, n'ont pas de filles. Le prince, pas de filles. Bruges, la Flandre, il n'y a personne. Eux, je suis en train de leur foutre sur la gueule. Turin. Nice, pas de fille. Eux, ils vont arrêter de me faire chier et on peut signer une paix distincte. On va te faire foutre avec ton Aragon de merde là. Compostelle, Castille, la Castille, personne. Après, c'est les arabos musulmans, n'est-ce pas? Monde à portée de votre main. Est-ce que la Pologne a une fille? Non. Que l'Ukrainien? Non. La Suède? Non. La
Norvège, non. Danemark, non plus. La Saxe, non. Y'a que des mecs. Hongrie, non. La Serbie, non. Byzance, non. Coucou Eva, comment tu vas? Naples, non. La Sicile, non, pas de filles. Putain. Oh, ils savent plus comment faire des filles dans ce putain de pays. Y a pas un endroit où il y a une meuf, quoi. Il y a plus de filles. Et je vais pas le marier avec une dynastie arabo-musulmane, n'est-ce pas? Bon, bah pour l'instant, hein, pas de filles. Sire, nous avons c'est des wargamers, c'est ça. Qui traversent nos terres. Oh putain, il y a du monde là. Oh putain, il y a du monde. Où j'arrive à choper une armée par rapport à l'autre. Les vivres commencent à manquer pour nos troupes. Que tremblent les infidèles. Une nouvelle croisade est levée. Leurs murs seront réduits en miettes. Ouais, j'arrive à choper l'armée d'archers avant de choper l'armée de... Avant de choper cette armée-là. On va voir si les deux vont pas au même endroit. Sachant qu'il y en a une qui a pas de morale, donc c'est peut-être le moment de choper celle-là avant l'autre. Une occasion que nous ne devrions pas louper. Des nains Beaumont. Pour l'honneur. Voilà, là j'ai attrapé. En fait, j'ai attrapé les ronforts dans le dos. Je vais prendre directement le commandement. Pour notre puissante... J'ai attrapé les renforts dans leur dos, ce qui fait qu'en fait, ils auront qu'une partie des renforts qui vont arriver. Ah, le jeu demande quand même d'être un minimum tactique, même dans le choix de ses batailles. Hein, même dans le choix des batailles, ça demande d'être un minimum tactique, hein, le jeu. Là, j'aimerais pouvoir virer l'Aragon du conflit, comme ça je peux essayer de m'occuper de l'Allemagne. Récupérer au moins Lyon. En fait, avoir un bloc, le bloc du sud, à moi, si possible. Ah, c'est ça l'armée ennemie. Je commande ici. Mes hommes attendent vos ordres. Donc c'est une armée avec pas mal d'archers. Lancier prêt. Donc là normalement ma cavalerie devrait pouvoir les gérer tranquillement. Hein. Prêt pour le combat. Nos lances sont prêtes. Nous attendons la cible. Prêt pour le combat. Ma vie est précieuse. Ma vie pour Nerzu. Je dois être bien protégé. D'ici, nous pourrons voir la bataille. Ah ouais, je vais placer mes soldats. J'ai pas le mur bouclier, c'est chiant. À vos ordres. Ah bon? Après, tu connais mieux WoW que moi, donc... Ah, donc ils ont une unité, là on va juste reculer, histoire de... Ok, donc là on va passer dans leur dos. Cette unité, je veux qu'elle aille dans le dos, là. Là, c'est le moment de charger avec eux. Mes hommes attendent vos ordres. Archer, prêt, tirez. À vos ordres. Déplacez-vous plus vite! Il nous contourne par le flanc! Comme ça, en fait, en une charge, je peux arriver à choper. En une charge, en fait, je peux arriver à attraper les. À attraper les. Visez! Les soldats ennemis. Ma vie est précieuse! Les troupes ennemies attaquent notre commandant. L'ennemi a peur. Prêt pour le combat. Archer, prêt. Il s'enfuit. On
Offrez-moi vos talons. Vite, partez d'ici. Même leur, tout le monde s'enfuit chez eux. Prêt, la tactique de l'enfermement a marché. Donc là, je vais les faire arrêter de tirer bêtement. On va éviter de perdre des troupes pour rien. Déplacez-vous vers une position plus adaptée. Et voilà. Se retire du champ de bataille. Comment capturer un seigneur adverse ? Attaquer dans le dos de son armée, donc basiquement lui virer tous ses rangs, attaquer l'armée la moins avec le moins de morale. Ah oui, j'en ai deux. J'ai le compte à l'UR. J'ai le compte à l'UR. Pour 3900 balles, donc il me coûte un peu cher. On va les conserver pour l'instant et je vais pour l'instant les conserver et les envoyer plus tard. Aller toute la merde dans des pays. Vous confirmez que vos ordres ont été exécutés. Si. Une armée hostile a rejoint la bataille contre nous. Nous avons pillé une propriété ennemie. Des troupes supplémentaires nous arrivent en renfort pour la bataille. Un message diplomatique est arrivé. Nos éclaireurs ont repéré un camp de mercenaires. Donc là, j'ai pas besoin de la jouer parce que je vais la gagner. C'est pour ça que je la joue pas. J'ai beaucoup plus de troupes qu'eux, donc j'ai pas vraiment besoin de la jouer celle-là. Vos armées et voilà. Ont conquis une province. Et capturé Marseille. Nos terres sont très peu stables, sire. Ah. Peut-être ouais, bah c'est Marseille quoi qui est pas stable. C'est la Marseillie qui est pas stable. Ah pourquoi il me manque un. Ont incendié une propriété ennemie. Ah oui non, c'est vrai que j'avais que deux maréchaux. Je suis prêt. Les vivres commencent à manquer pour nos troupes. C'est un 50%. C'est une bonne stratégie. Un prisonnier de notre donjon a été renié par son roi. Ok. Comme il a été renié, il me coûte 10 fois moins cher et je vais aller l'envoyer en Germanie. Je ne suivrai jamais vos ordres. Ah, il a refusé. Ok, bon, bah, on va lui couper la tête. L'opinion qu'a de nous notre aristocratie a pris un coup. Et là, du fait que j'ai dégommé la tronche de leurs armées, est-ce que ça les calme pas ? Non, ça les calme pas. De l'argent bien dépensé. Alors, rumeur, notre espion dans laquelle la Germanie. Ok, donc la Germanie a tellement de batailles. A fait tellement de batailles qu'elle est un peu dans la merde en fait. Hop, je vais réparer mes troupes. J'ai 279 soldats. Je vais y mettre une unité de cavaliers en plus. Pour l'instant, on garde le reste. Comme ça, voilà. Si j'arrive à vraiment récupérer Marseille, je suis bien. Ça me fera une ville en plus. Là, là, il y a la France. Il y a la France. La France qui attaque Lyon. Pour la récupérer la Germanie, apparemment. Rappelle-le-moi. Laisse-moi réfléchir, parce que ça peut être intéressant, ça. Les autorités de la ville ont été renversées, sire. Ok. Donc Marseille a décidé de rentrer dans le rang. Les Marseillais sont enfin rentrés dans le ring. Alors. On pourrait faire un château de seigneur. Ça ajoute de la stabilité. Et ou une province frontalière, ça peut ne pas être dégueu. Sachant que j'ai toutes les améliorations, mais il n'y a pas de château. La métallurgie. Oh putain, c'est la SSI qu'on fait le faire. Et déjà, il faut arriver à stabiliser la zone. Pour stabiliser la zone... je veux stabiliser la zone. Je pense qu'on va... Je vais partir sur les logements, même s'il n'y a pas de village. Ça a un peu plus de stabilité. Sachant que comme nous sommes en guerre, bah forcément... Rumeur. Ok, bon, la Germanie est littéralement en train de... perdre ce sont son avantage les en fait. Les plus puissantes au monde. Là, la Germanie étant la plus haute, c'est celle qui est en train de perdre son avantage.
Et comme elle est en guerre, elle ne peut pas, déclarer être la. Ouvrez ces satanées portes ou je les brise. Oui, oui, ta gueule. Construit un nouveau bâtiment, sire. Ah. Une nouvelle province. Ça y est. Barcelone a enfin décidé. Les ennemis viennent de franchir nos frontières. Ah, il y a du monde. Allez, je vais directement l'envoyer en Aragon. L'autorité de notre couronne a baissé. Sire. Oh putain, il me casse les burnes. Sire, certaines de nos provinces n'ont personne. Alors. Ok, donc j'ai quelqu'un qui gouverne pas de province. On va mettre le marchand. Je vais mettre le baron Bernard. Non, bah le marchand. Ouais, je vais mettre les marchands, c'est ce qui rapporte le plus. Cette ville deviendra le premier centre de commerce du monde. Là, il y a pas mal de monde, hein. Il y a pas mal de paysans. Il y a quoi dans cette armée-là? Paysans, d'accord. Mettre deux caves, ça suffit. Sire, notre prince est maintenant prêt à rejoindre la cour royale. Seigneurie. Je le mets près de Toulouse. Faut que vous passiez et vous alliez aider Marseille. Pour attaquer Marseille. Est assiégée. Pour attaquer Marseille. Même s'ils ont pas de morale, ils vont attaquer Marseille. En tout cas, normal que ton flux ne soit pas en 1080p. Oui. Sur cette scène, il est pas en 1080. Contre-attaqué. Pour Eorlinga. La croisade a pris fin et ses armées ont conquis leur cible. La Germanie me propose la paix. Nous propose la paix. C'est dommage qu'il n'y a pas un moyen de contre. Ouais, bah j'accepte. La guerre est finie. J'accepte. Nos troupes ont quitté le champ de bataille. Mes troupes attendent. Mais au moins j'ai récupéré Marseille. Sur la route, j'ai pu récupérer une nouvelle ville. Ne gouverne pas de province. Alors j'ai dit que je voulais mettre le marchand là. Seules les meilleures marchandises seront produites ici. Mes humbles compétences s'améliorent. Voilà. Marchons-nous ? Marchand Sévic, le marchand Galtier, et il y avait une opportunité que j'ai ratée. Quelle belle journée pour le commerce. Si, on va développer le commerce. Facilement. Redévelopper le commerce. Pas sur mes accords commerciaux aussi. Plus d'argent. Ça nous a beaucoup aidé l'argent pour faire pop des armées en plus. Et il faut que je restaure l'autorité de ma couronne qui est à moins 2. Nous avons augmenté l'autorité de notre couronne, votre seigneurie. Nous sommes devenus une grande puissance. Donc je suis passé devant Kiev. Je suis passé devant la. Devant les Ukrainiens. Paris. Ouais, bon, ils sont un peu fait dégommer les Français, quoi. Ah non, là, ça y est, récupère. La France essaye de récupérer ses provinces, mais il lui reste quoi, la France, en fait? Et quelle province qui lui reste? Parce que Poitiers, c'est plus à eux. Orléans, ils sont en train d'essayer de la récupérer. Il reste quoi, la France? Le monde à portée de votre. Là, c'est la Bretagne. Donc la France n'a qu'Orléans. Putain, la Bretagne a récupéré tout ça. Merde. Putain, va falloir que je la récupère, la Bretagne. Moi, va falloir que j'éclate la Bretagne, en vrai, maintenant. Ah, prochaine guerre, c'est contre les Bretons. Hein. On va montrer aux Bretons ce que c'est que le rugby. Un nouveau pape dirige l'église catholique. Ah, le pape Aldabert est mort. C'est le pape Babalidur. C'est le pape Alidur. Une nouvelle rébellion se répand sur bah, Marseille. Ouais. Les rebelles assiègent notre ville. J'ai 4200 unités. L'heure est venue. Pour Eorlinger, contre-attaque. Dont bénéficiera notre prince. Ah oui, le pape Alidur. La lettre du pape demande votre attention, votre seigneurie.
Allez, tiens, prends ta... Papa Lidur, prends ta croisade. Je te paye ta croisade. Je te paye ta croisade, Papa Lidur. Oh, il y a un maréchal qui... Il y a un gouverneur qui aimerait devenir... laisse-moi l'opportunité de réfléchir, s'il te plaît. Reprenons Jérusalem! D'ailleurs, elle est où, Jérus, là-dessus? Elle est où, Jérusalem? Fès, Marrakech, donc là, ouais, bon. C'est plus bas, en théorie, hein. Adan, attends, il n'y a pas moyen de les voir avec le nom des villes. Politique. Province. Mir, Warlaga, Git, Assodé, Wara, Alexandrie, le Caire. Ça doit être par là, Jérusalem, normalement. Par là, Jérusalem, non? Ouais, c'est là, Jérusalem. C'est tenu par la petite Arménie. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, c'est pas le moment de revérifier s'il n'y a pas des villes, s'il n'y a pas des gens qui ont des filles. Oh, il y a une fille là. Oh, je mets une option. Je mets une option sur ta fille, mec. Oh, c'est... C'est un cousin à Eba. C'est le duc tout dur. C'est un cousin à Eba. C'est le duc tout dur. Ah bah y'a personne qui fait une fille dans ce putain de jeu. Pas avoir une génération à blanc quand même. Y'en a pas un qui fait une putain de fille quoi. Ah mais baiser! Faites des gosses! Un peu là, faites des gosses! Putain, le mec est en train de spotter toutes les villes du pays. Il est en train de spotter tous les royaumes de. Tous les royaumes pour essayer de trouver s'il n'y en a pas un qui a fait une qui a fait une gamine, quoi. À Majorque, ouais non Majorque, t'as personne. C'est le checkpoint! Le check à Eba. Ah bah je suis obligé de lurker hein, pour avoir toute le pour vérifier un petit peu comment marier mes gamins quoi. Enfin, je vais un peu le tuer en fait, donc on s'en fout. L'opinion qu'a de nous notre aristocratie s'est améliorée. Les rebelles de nos terres. Je suis toujours à moins 14. Votre seigneurie, nous avons empêché l'ennemi. La grande maison, je m'en fous. 4900 pour faire le siège. Alors, ici, j'ai des chevaux aussi. On pourrait dire, ouais. De la ville, ouais, si on va faire de la céleri. Ah, l'espion que le maréchal voit faire son lendemain. Notre cour royale. Non, je veux pas, je veux qu'il reste là-bas. Attendez, je reviens, je vais me faire un petit snack. J'ai acheté des noix, je vais mettre un peu de sel. Je reviens.
C'est bon, les noix. Ça cale. Quand on a un peu faim, ça cale, les noix. Un message diplomatique est arrivé. Oh. Ah oui. Ils ne verront que l'ombre de ma toile. La métallurgie, c'est 2100 balles. Sire, notre renommée a décliné. Bah bien sûr. Nous ne sommes plus une grande puissance. Une amélioration a été terminée, votre seigneurie. Bien sûr. Bah d'ailleurs, moi, ma game, ce sera sûrement la semaine prochaine, d'ailleurs. Voilà, on va faire la métallurgie à Marseille. Ah. Ah. Bah Jules. Non. Bah Jules. Qu'est-ce que tu fais, Jules? Ah, ça va être chaud, ça. Ah, mais non, mais toi et Denis, vous êtes dans le top 8 Sire, je vous présente la famille royale. Prince Guy et Guilla. Ah oui, bien sûr. Bon, moi, j'ai marié mon héritier, ça, c'est bien. Notre prince a grandi et peut acquérir de nouvelles compétences. J'ai réussi à marier l'héritier, donc c'est pas mal. Une nouvelle construction a été achevée, votre seigneurie. C'est une bonne stratégie. Non. Pourquoi ? Ah d'accord. Ok. Allez, maintenant c'est le travail de la métallurgie. À faire des armes en fer. Où pouvons-nous gagner de l'or? Faut encore mieux le foutre dans la gueule de nos adversaires. C'est encore mieux, ça. C'est vous qui serez riche à présent. Ah! Vous devez me libérer, car j'ai épargné nombre de ouais, vos ouais, hommes. Ouais, regarde. J'ai échoué, mais j'ai fait de mon mieux, je le jure. Ok. C'est comme ça ? L'autorité de notre couronne a augmenté. L'opinion de la paysannerie s'est détériorée. L'opinion qu'a notre clergé de nous faiblit. Point d'ecclésiaste. Nous avons obtenu les faveurs de notre aristocratie. Sire, nous avons achevé une amélioration. Je commence à avoir une belle cour. Donc je vais pouvoir bientôt me concentrer. Considérez que c'est fait, sire. Me concentrer sur l'amélioration de mes royaumes. Une amélioration a été terminée, votre seigneurie. Une idée de la manière dont nous pouvons gagner de l'or ? Quelle belle journée pour le commerce. De l'argent bien dépensé. Oh !
toutes les affaires se sont déroulées comme prévu. Ah, j'ai raté l'occasion. Oui. Quelle tâche souhaitez-vous me confier? Ce n'est pas trop risqué, n'est-ce pas? Non. Notre espion n'est pas parvenu à terminer sa mission, réussissant à peine à s'échapper après la découverte de ce complot. Et merde. Vous avez bon, on va t'envoyer chez eux, là. Recruter. J'ai brûlé votre missive et j'ai commencé. Ils ont osé nous attaquer, tu vas chez eux maintenant. Marseille qui commence à rentrer dans le rang. Oh, j'ai prié pour une telle mission. Commence à rentrer dans le rang, Marseille. L'opinion qu'a de nous le clergé s'est améliorée. Ouais, bon, à part l'opinion qui est pas terrible. Est mort et a été remplacé par son héritier. L'opinion de nos marchands a souffert. L'opinion qu'a de nous notre aristocratie s'est détériorée. Il est mort jeune, le con. Nous avons reçu un message diplomatique. Ah, il est mort jeune, le con. Il est mort jeune. Oui. Au con, va. Je suis désormais puissant et intelligent. Je m'ennuie. Fini de lire. L'heure est venue de combattre. Au con. J'en ai dû faire. Ah non, c'est les hauts fourneaux qui me donnent du fer, d'accord. Ah ben... À votre service, sire. Il va falloir que je stoppe des exportations alors. Plus riche. Hélas, oui. Je reviens les mains vides. Je vaux mon pesant d'or. Quelle belle journée pour le commerce. Je me tiens à votre disposition, votre seigneur. Pourquoi il a décidé de mourir comme ça, ce pauvre con, là? L'exportation et l'importation sont une seconde nature pour moi. Pas eu le temps de marier tous tes gamins, quoi. Son excellence, le roi et sa très noble famille. Nous avons construit un nouveau bâtiment, sire. Notre route commerciale est établie. Contemplez les grandes puissances du moment. Un message diplomatique est arrivé. Alors, j'avais dit que justement, ma prochaine cible serait la Bretagne. Donc je pense que je vais transférer les troupes d'une de mes armées à mon roi, qui a tout plein de capacités. Qui est blindé de capacités. Parce qu'en fait, il faut voir un truc, c'est que les rois et les princes ont leurs capacités au level 3 directement. C'est un des traits que j'ai fait au tout début. Et donc, avoir ces traits-là peut me permettre de... La guerre est inéluctable. Voilà, par exemple, d'avoir le tir à l'arc à fond, pourquoi pas. Le point de fer à fond, ça, c'est super fort. Mission impossible. J'allais transférer ces hommes-là au roi de Toulouse. Mmh.
Marchons-nous ? Ouais, je peux pas lui transférer ça. D'accord. Puis il retourne protéger Barcelone. Respectez mon autorité. Lui, il va passer là. Hop. Prendre son dernier point. Va être point de fer. Désormais puissant et intelligent. Un très bon plan, si. Allez, je vais attaquer la Bretagne. L'opinion de nos marchands s'est améliorée. C'était une belle journée pour le commerce. Ils ont combien d'hommes à Poitiers ? Oh, provoquer... Bah, mais ils sont cons ou quoi ? Non, Marseille, regarde, Marseille, ça commence à rentrer bien dans le rang, Marseille. Hop, je vais faire des hauts fourneaux pour pouvoir débloquer le maximum de mes améliorations. L'opinion de la paysannerie s'est améliorée. Nous avons pillé une propriété ennemie. Nous avons reçu un message. Non, non. Alors déjà, c'est une guerre à la fois, mon cochon. Hein. Tu vas te calmer. Hein. Je me tiens à votre disposition, votre seigneurie. Hein, tu vas te calmer, c'est une guerre à la fois, mon cochon. Et merde, ma caméra qui a planté. Ah, faudra vraiment que je pense à en racheter une de caméra, en fait. Faudra vraiment que je pense à en racheter une. Donc maintenant, il va falloir que j'essaie de choper les maîtres forgerons d'armes et les maîtres forgerons d'armuriers. C'est 1600 l'armurier. Les redoutables armées ont incendié une propriété ennemie. Il ne restera qu'un tas de cailloux, Arthur. Arthur, il ne restera qu'un tas de cailloux. Hélas, je reviens les mains vides. Notre culture se propage rapidement, sire. Ah, bah Barcelone a enfin adopté le rugby et a arrêté le football. J'échangerai des connaissances. Ils ont arrêté le football. Braves gens. Pourquoi ils sont pas heureux encore, ceux-là ? Il y a une rébellion ? Où il y a une rébellion ? Parce que la loyauté va à Gênes, d'accord. Et à Gênes, la loyauté. Ok. Les forces ennemies ont mis fin à notre pillage. Non, en fait, le jeu regarde les rébellions qu'il va y avoir autour. En fait, si par exemple, tu as une ville autour qui a une rébellion, ça peut donner envie à tes gars de se rebeller aussi, en fait.
Nous étions en train de piller ces terres. Donc là, ils ont deux armées qui vont arriver. Ils ont deux armées. Il y a une unité d'infanterie légère, une unité de cavalier léger et de chevalier et de cavalerie noble. On peut largement tanker deux armées, hein, qu'on soit d'accord. En la jouant intelligemment, je peux largement tanker deux armées. Nos lames sont aiguisées. À vos ordres. Nous sommes en route. Prêt pour le combat. Oui, perdre un carré de morale. Archer, prêt. Prêt pour le combat. Avancez. Ils vont recevoir des renforts. Hein. Sire, nos ennemis ont reçu des renforts pour la bataille. Marché. À vos ordres. Je commande ici. Nous sommes en route. Atteignez cet emplacement avant l'ennemi. Archer, prêt. Nous attendons la cible. Cessez le tir. À couvert. Nos lances sont prêtes. Allons-y. Ça semble sans danger. Les tirs. Ils nous tirent dessus. Et donc là, j'ai fait fuir une de leurs unités de cavalerie déjà. Pour le combat. Mes hommes attendent vos ordres. Je vais pouvoir avancer un peu. Pour le combat. Chargé. Pour le rugby. Attention, ils nous contournent par le flanc. Prêt pour le combat. Nous sommes en route. Chevauchez jusqu'ici. Nous perdons notre point de contrôle. Ah bon? Ah mais je perds un point, des coups précis. Mes hommes attendent vos ordres. Gardez la tête baissée. Alors maintenant faut que je regarde la prochaine. Pour le cassoulet. Alors la prochaine armée est un peu plus chiante. Mais elle est gérable. Là, ils ont déjà encore perdu une unité sous les flèches de mes. Des flèches de mes unités d'archers. Courez comme si vos vies en dépendaient. Prêt pour le combat. Vite, prenez cette position. Nous sommes contournés par le flanc. Mes hommes attendent vos ordres. Pour la Ligo et le Saint-Nectaire. Hop là, donc là on ramène les troupes. Lancier prêt. Alors là, avancez. On a un peu plus de troupes sur l'ouest. Mes hommes attendent vos ordres. Marchez. J'ai tué le roi breton, ça c'est super. Je crois que c'est un roi, ça. Ok, donc j'envoie ma cave. Je dois être bien protégé. Et eux, là. Faites attention aux embuscades. Pour la Ligo et le Saint-Nectaire. Pour le combat. Marchez. Mes hommes attendent vos ordres. Prêt pour le combat. Pour la stratégie d'encerclement. Avancez. Prêt pour le combat. Alors, faut savoir que dans le jeu, il y a une dimension de fatigue. Hein. Donc là, mon adversaire se fatigue inutilement. Hein. L'ordi se fatigue inutilement. Prêt à verser le sang ennemi. Là, je vais prendre que mes archers se remettent à tirer. Prêt pour le combat. Tuez tous les ennemis. De manière normale. Cavalerie, en avant. Faites attention aux embuscades. À vos ordres. Nous
sommes en route. Prêt pour le combat. Marchez. Notre point de contrôle est contesté par l'ennemi. Tirez. Petite stratégie de contournement. Ma vie est précieuse. Je dois être bien protégé. Ma cavalerie va aller les chercher. Prêt pour le combat. Là, faut que eux se mettent à chuter. Tout ce qui bouge. Prêt. Mes hommes attendent vos ordres. Nos lames sont aiguisées. Nous attendons la cible. Nous sommes en route. Ils s'enfuient. Ok, je viens de dégommer leur unité de tir là. Attention, ils nous contournent par le flanc. Ah, il y a une autre unité de tir là. Nous attendons la cible. Lancier prêt. Prêt pour le combat. Courez vers cette position. Il y a moyen littéralement de faire énormément de dommages. Les troupes ennemies attaquent notre commandant. Nous avons perdu notre point de contrôle. Le moral de notre adversaire est au plus bas. À vos ordres. Prêt pour le combat. Préparez-vous à la boxe. Nous perdons notre point de contrôle. Et non, on va aller le recapturer. Nous attendons la cible. Hop. Je veux plus qu'il tire. Je veux plus qu'il tire débilement. Nous reprenons notre point de contrôle. Ma vie est précieuse. Un point de contrôle. Les ennemis se sont enfuis comme des lapins. Et de deux armées détruites pour le prix d'une. Deux. Nous avons capturé un chevalier étranger, sire. Je ne suis qu'un soldat. Relâchez-moi. Oui, oui, on va te relâcher quand tu nous auras, quand tu seras, quand on aura assez pour te relâcher sur ton propre territoire en tant que rebelle. Nos armées ont pillé une propriété. Un message diplomatique est arrivé. Non. Vous devez me libérer. Je peux toujours pas te lâcher en tant que rebelle. Oui, oui, oui. Dixit, le mec qui s'est fait pourrir la nuit. Donc là, je vais envoyer ce maréchal là-bas. Alors eux, ils ont un moral un peu dégueulasse. Sire, nous avons achevé une amélioration. Je suis prêt. Et là, je vais envoyer mes 2500 troupes là-bas. J'ai dû pêcher. Ah, j'ai 4000 d'or. Je les gardes de ce donjon. Je vais tenter de leur... Oui, oui, ta gueule. Je vais tenter de t'envoyer dans ton propre pays. Oui, c'est voilà. Mieux que de croire merci. Ici. Donc là, je viens de l'envoyer en fait en rébellion dans son propre pays. Une nouvelle amélioration a été terminée, votre seigneurie. Nous combattons avec honneur. Ah, il y a potentiellement des... On va réfléchir, s'il te plaît. Des troupes supplémentaires nous arrivent en renfort pour la bataille. Ah, c'est ça qui coûte si cher. Il faudrait du sel. J'ai pas un commerce du sel quelque part. Non, j'ai pas de sel quelque part. J'ai pas de gens salés. Par contre, je crois qu'avec mes chevaux, maintenant, je peux faire des maréchaux ferrants. De l'or, j'en ai, donc je m'en fous. Ah merde, la France vient d'être détruite. Je suis impatient de connaître vos ordres.
La France a été détruite. Ah, je vais le faire commercer avec la Flandre. Hein. L'exportation et l'importation sont une seconde nature pour moi. Le royaume de France a été détruit. Une amélioration a été terminée, votre seigneurie. La reine a donné naissance à un prince vigoureux. Notre reine a donné naissance à une magnifique princesse. Des jumeaux. C'est des jumeaux. Mon premier accord commercial là-bas vient d'être conclu. Un camp de mercenaires a été repéré sur nos terres. Nous avons reçu un message diplomatique. Ah. Viens avec nous. Ce n'est pas trop risqué, n'est-ce pas? Quel désastre. Pardonnez-moi, votre... C'était vraiment nul, hein. La France a été détruite par les Germains et les Bretons. Il n'y a plus de territoire français. Les Français. Il n'y a plus de Français. Ah, je vais pas tarder à récupérer Poitiers, moi. Sire, nous avons repéré des mercenaires qui campent sur nos terres. Ah, je suis à moins 1, ça devrait tenir. J'ai payé, je suis pas habitué à ta nouvelle icône. Ouais, vous avez vu, j'ai changé, ouais. Comment tu vas, Olnar? Allez, barre-toi, le Germain. L'opinion qu'a de nous notre armée s'est détériorée. Ouais, alors attends un petit peu, hein. Je peux pas gérer 50 milliards de conflits et de... Sire, nous pouvons attaquer une ville ennemie. Envoyez-moi simplement l'or. Mes hommes sont fatigués, mais ils l'emporteront. On va chercher le potier. Ouais, ils vont vachement y arriver, tes hommes. Nous avons fait plaisir à nos marchands. Voilà, je vais récupérer Poitiers. Nous avons conquis une autre. Normalement, avec mon roi, je peux établir l'ordre de manière assez simple. On va réfléchir. La Bourgogne nous demande d'attaquer ta gueule. On va d'abord aller récupérer les villes qui ont été prises par les putains de Bretons là. Ce sont parce qu'ils ont viré la France, hein, c'est ça con. Monde. Mais bon, je devrais attendre 2023. Ah shit. Nos éclaireurs ont repéré un camp de mercenaires. Est-ce que je pourrais pas soudoyer les mercos pour les faire rejoindre la guerre? Marchons-nous. Toujours, allez-y. Là, si je peux récupérer Poitiers, c'est vous. Le pape a lancé une croisade. Le désordre a pris fin dans une de nos provinces. Ok, donc j'ai récupéré Toulouse avec l'armée du roi. Ok, ça a été récupéré. Et il y a un jardin d'herbe, c'est pas mal parce que ça pourra me donner de l'huile. Pas de bêtises. Non, c'est pas. Ah non, c'est le lin qui donne de l'huile. Par contre, ça produit pas de nourriture et ça c'est chiant. Le jardin d'herbe, je vais le démolir. Ah, coucou PLM. Ah oui. Ça avance, on a récupéré Marseille et Poitiers. J'ai récupéré Marseille puis Poitiers, donc c'est vraiment pas dégueu.
Mylène Farmer. La population se rebelle. Laquelle? Nos ah, la population de Poitiers. La justice. Et les Poitiers, là. Nos redoutables armées ont incendié une propriété ennemie. Ok. Nous avons renforcé l'opinion qu'a de nous notre armée. Ouais, là, il va falloir que j'aille soigner mon armée, par contre. Frayez-vous un chemin. Oh. Les grandes puissances à un pour élire le gouverneur du monde. Ouais, putain. Ouf. Là, c'était possiblement la fin de l'arrêt du jeu. Hein. Combattez avec honneur. La reine a donné naissance à un prince vigoureux. Nous avons écrasé une armée. Je vais l'envoyer à Poitiers, lui à Clermont. Fait plaisir à notre aristocratie. Sire, belle je bataille gagnée. Ravi de pouvoir vous annoncer un que prince ces et racailles nous. Rebelles ont été chassés. Ces racailles. Vous aussi, vous avez peur de ces racailles. Éduqué en tant que diplomate, il est très bien. Eh ben, ils n'ont qu'à pas avoir Orléans, hein, les Germains. Hein. Nos livres sont inutilisés, votre Ok, seigneur. Donc j'ai ma capacité de mes livres qui se plaint. Sire, je peux acheter une nouvelle compétence. La famille royale. Il n'y a pas vraiment... J'ai pas une super... des trucs bien intéressants ici. Par Quelle contre, lui, je peux l'améliorer. Pour le commerce. C'est vous non, ça, qui c'est serez lui. Riche à présent. Un investissement très pertinent. Le savoir n'a pas de prix. C'est vous qui serez riche. Par contre, maintenant, je peux faire diriger la ville par un nouveau bonhomme. Ce sera le marchand Albert. Je trouverai voilà. jusqu'à la plus petite piécette d'or pour vous. Le marchand Albert. Ah bah voilà, là, il y a du sel. Voilà. Oui, bah, construis-moi la mine de sel. Étrangère s'est propagée dans une de nos provinces. Nos armées ont pillé une propriété. Nous ah, avons il faut, reçu un message diplomatique. Il faut quand même ça en premier. Attends, qui c'est que la culture de Poitiers, l'Aquitaine. D'accord. Nous reviendrons pour relation avec la Bretagne. Oui, bon, ta gueule. Jusqu'à que les Badins pillent leur terre jusqu'à qu'ils... Et la Bourgogne demande d'attaquer, on s'en fout. Là, faut soigner l'armée stratégie. Du roi. Et on va commencer à la rendre un petit peu plus punchy, l'armée du roi. Hein. Qu'est-ce qui a été perdu? La rendre un peu plus punchy. Il me faut 600 gars encore, 600 soldats. À Poitiers, j'ai une petite armée. Là, je vais faire ma place du marché, ce que je fais à chaque fois. Oh, mais l'Aquitaine, vaut mieux pas qu'il bouge une oreille, en fait. Si l'Aquitaine il bouge une oreille, je leur défonce le fief. La construction a été achevée, votre seigneurie. Ils bougent une oreille, les Aquitains, là. Je leur défonce le cul, en fait. Donc là, il y a mon armée de mercenaires qui attaque Paris. Eh bien, c'est pas les miens, c'est mon armée de mercenaires. Et là, il y a une révolte menée par le maréchal Élion qui est en train de se battre aussi contre les troupes d'Aquitaine. Qui me permet, moi, de commencer à moderniser mon armée avec des troupes lourdes. Avec des grosses troupes lourdes, sa mère. Wesh. Bisous chez moi, toi. Tu crois que c'est la fête, là? Casse-toi de chez moi, là, tout de suite. Donc là, je suis à un petit plus 4. Easy fait. Ça fait quoi, les chevaux de guerre? Ça donne des chevaux de bataille. Là, on va débloquer ça. Nous sommes désormais reconnus comme une Et commerce du sel, parce que j'en ai besoin du sel. Province a juré allégeance à un royaume étranger. Les troupes ennemies tentent de briser notre siège. Attends, ils sont sérieux là?
Clermont est passé à l'Aquitaine. Non, mais je crois qu'il va falloir leur casser les dents à l'Aquitaine, je crois. Hein. Oui. Toi, tu reviens, tu te barres de l'Aragon. Souhaitez-vous me confier ? Attendez-vous à me voir sous peu, sire. Je crois qu'il va falloir leur casser les dents à l'Aquitaine. Hein. Mes paroles les captiveront. Nous avons construit un nouveau bâtiment, sire. Une nouvelle rébellion se répand sur nos terres. Nous ne nous rendrons jamais. Notre propriété est entre les sales mains des rebelles. Notre commandant d'armée a été fait prisonnier. Pas moi, c'est un... Et donc toi, vous j'ai dit que je t'envoyais... D'abord, il va me faire une chasse aux sorcières, d'abord. Marchons-nous. Là, on va littéralement leur péter les dents. Un message diplomatique est arrivé. L'Aquitaine, ta gueule. Surtout que je vais péter ils en deux. Ils ne s'attendront jamais à ma présence. Une petite chasse aux sorcières sur le territoire. Je vais voir si les Rénois, là, qui sont armés, plus rien, piquent, signer un accord, demander un tribut. Beau travail, sire. Merci. Nous avons officiellement devenu mon vassal. Nous avons augmenté l'autorité de notre la Bretagne est officiellement devenue mon vassal. On triomphé. Sire, la vassalisé la Bretagne. A été vaincu. L'heure est venue de choisir l'éducation. Le prince de Ramon. De Ramon, il a grandi. Propriété contre des forces hostiles. Tout de suite. Hop, comme ça, eux, je les regène. Sire, notre chasse aux sorcières a permis de découvrir des espions étrangers sur nos terres. Ok, donc apparemment, il y avait un espion breton. Moi ? Non. Oh, on t'a attiré avec du beurre doux, dis-le. Il a senti l'odeur du beurre doux, il n'était pas content. Quelle belle journée pour le commerce. Comment je peux améliorer les commerces, ouais. Votre or ne sera pas dépensé en vain. Je vais pas exporter de nourriture. Son excellence. Par contre, j'ai possiblement, ouais, c'est ça. Famille. Je peux marier mes jumeaux, donc je peux commencer à vouloir à tenter de marier mes jumeaux. Le monde à portée de votre main. Angleterre. Ouais. Munster. Ouais. Dublin. Les Écossais. Ouais. Les Génois. Les Génois. Les Savoyards. La Bourgogne. Ah bah oui. Ah oui. Et oui. Tiens. Mariage royal. Le prince de la mode. La fille Maoul. D'accord. Notre savoir représente. L'Aragon, rien. La Castille, rien. Salmoravide, rien. Palma, là, deux Palma, là. Majorque, rien. La Sardaigne, rien. L'Ajaccio. Et les Corses. Les Corses, non les... Ah. C'est bizarre, hein, quand on regarde l'arbre généalogique des états pontificaux, hein. Très bizarre. Hein. Voilà la Sicile. Non, tais-toi. Hein, Sicile. Mariage royal entre le prince Ramone et la princesse Stéphanie. Ensuite, on va te demander un non-agression. Le soutenir dans sa guerre. D'accord. Ok, ça c'est bon. T'as pas un garçon là, voilà. Marie, la fille. Mariage royal, la princesse Brunissande avec le prince Brancaleon. Ah. Pression. Sérieux là? Par contre, tu veux bien te marier avec ma fille, quoi. Un peu bizarre. L'or coulera à flot dans nos caisses. J'ai réussi.
les autorités de Germanie, on s'en fout. Le royaume de Germanie possède l'armée. Bah oui, c'est un peu les Germains, c'est un peu le peuple plus belliqueux de la terre. Nous avons reçu une lettre du pape. Nous avons reçu un message diplomatique. Ouais. Ah, c'est bien parce que c'est toi, papa Lilur. J'ai applaudi nos actions récentes. Développer le commerce. La oui. Chance sourit aux audacieux. La reine a donné naissance à un prince vigoureux. Ouais, elle donne la reine, hein. Elle se fait donner la reine, hein. Nous serons riches en un rien de temps. Poitiers, voilà, Poitiers commence à être bien. Clermont, va falloir vite les calmer là, de vouloir rejoindre l'Occitanie là. Et vite les calmer les cochons là. Marseillais normalement, ok. Donc ça, ils sont à 26, pas mal. Les armées croisées n'ont pas survécu. Un message diplomatique est arrivé. Hein? 1800 d'or, un juste prix contre la libération de Ground. Attends, lui, c'est vrai que je voulais l'envoyer dans son pays. Je ne dirai rien. 5900. Bon, allez. Ce sont les Par contre, petit à petit, je suis en train de monter. Hein. C'est-à-dire que je deviens une grande puissance petit à petit. Hein. Donc, j'ai eu le commerce du sel. Je crois qu'avec le commerce du sel, je peux créer de nouvelles choses. Je crois. Ouais, c'est ça. Et il me faut des épices. Et j'ai pas les épices. Par contre, je peux faire du fromage fin. C'est pas mal. Voilà, on va faire du bon fromage. On va faire du bon placos. Faire du verre aussi. Je lance le verre. Hop là. On a le bon placos, on a le bon fromage. L'exercice est précédent, la pain plune. Ah bah oui. On peut la tenter. C'est ce que le destin me réservait. Le Yémen a été détruit. Non. J'ai besoin de la nourriture pour mes soldats. Besoin de la nourriture. Là, il serait peut-être temps de commencer à faire un atelier. Un message diplomatique. Laquelle ? Certains de nos sujets ont adopté une culture étrangère. Bon, ça commence à jouer sur la culture. Oh, on s'en fout la Sicile. Ça commence à vraiment jouer sur les cultures. L'amélioration a été terminée. C'est un peu relou, mais bon, je peux pas bloquer le rayonnement culturel. Alors. Voilà, va falloir que je commence en fait à avoir en fait ramener beaucoup de pognon. Sire, nous avons achevé une amélioration. Maintenant, il faut ramener du pognon. Et c'est bien, je commence à avoir pas mal de villes. Je commence à avoir pas mal de petites villes. Pas dégueu. Non, pas dégueu. Les petites villes là que je commence à avoir. C'est l'Aragon qui se bat sur mes terres. Notre D'accord, qui va attaquer Angers. Et peut acquérir de nouvelles compétences. Allez le chercher avant lui. Tomate, un orateur. Une nouvelle province nous est désormais loyale. Ah bah Pampelune est loyale à moi maintenant. Franchement, j'aurais dû les laisser crever en fait. Un message diplomatique est arrivé. Aquitaine. Resaine, j'aurais dû. Ah putain, il me demande d'attaquer l'Aquitaine, mais est-ce que je vais y aller là? Sire, nous sommes victorieux. Nos armées ont libéré la ville de notre allié. Récupérer l'Aragon a récupéré Angers, même si je pense qu'il va la perdre. Je suis impatient de connaître vos ordres. Quelle belle journée pour le commerce. La Savoie est pas dégueu. Je vis pour le profit.
Notre route commerciale est établie. Tout de suite. Tout de suite. Ok, j'ai 8000 balles. Alors maintenant, avec 8000 balles, on va faire des écuries de guerre ou un maître armurier. Mais j'ai dit d'abord que je comptais faire autre chose. Je commençais à faire par exemple l'atelier de siège. Ça va me permettre d'acheter des vraies armes de siège, donc de dégommer les bâtiments. Donc de pouvoir plus facilement attaquer les endroits bien protégés. Ici, je vais kicker ceux-là, même s'ils étaient très forts, je vais les kicker pour prendre du vrai chevalier. Pour prendre une vraie unité d'infanterie lourde. Affaire rentable à 50% de chance. Bon profit. J'ai 1000 livres, donc avec 1000 livres, on va commencer à améliorer les gars. Le roi Midas fera bientôt figure de mendiant comparé à vous. Mes humbles compétences s'améliorent. En plus, maintenant, avec mes vassaux là qui me rapportent du pognal, nous avons reçu un message diplomatique. Qu'est-ce qu'ils me veulent encore? Ah, la Bretagne. Bah, vous êtes mes vassaux, donc vas-y, envoyez-nous votre beurre salé là. Il est bon, votre beurre salé. On aime bien le beurre salé, envoyez-le nous. Que tremblent les infidèles. Une nouvelle croisade est levée. C'est bien le beurre salé. Est prêt à prendre sa place à la cour royale, si... Parce que je crois que j'ai toujours pas marié. Hein. Alors, est-ce que j'ai marié des gens? Si, je l'ai marié, Ramon. Ramon, je l'ai marié. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire en mariage? Duchesse Tanquil's List. Accord qui a rien. Ah, faites ce que vous voulez comme mélange, hein. Bon, par contre, apparemment, ils n'ont pas de... Putain, pas de filles sur ce putain de jeu. La vue politique. Il n'y a pas de gamine, quoi. Ah, mais y en a pas un qui a des filles, quoi. Putain, je suis obligé de l'urk. En Suède, y a pas une gamine. Non, en Norvège, non plus. En Pologne, putain. En Sémigalie. À Kiev. Non, en Russie. Non. À Perm. Non. À Vladka. Non. À Ulusgulut. À Ulusgulut. Kormani, non. À Manicht, non. Vraiment, non. En Géorgie, non plus. À Rome, non. Sedjoukid, non plus. Bon, ben, il n'y en a pas un seul qui a une fille quelque part. Bon, en tout cas, là, ça avance bien, hein, le jeu, hein, gentiment et sûrement. Terminée, votre seigneurie. Hop. Ils ne verront que l'ombre. Apparemment, possiblement encore un connard chez moi. Poitiers qui est plus vite rentré dans le rang que Marseille, quand même.
Voilà. Là, j'ai des vrais chevaliers. Ici, il me manque les... Le forgeron d'épée, il me manque. Je ne l'ai pas fait encore. Voilà, comme ça, je pourrais débloquer la cavalerie lourde de Clermont-Ferrand. La vraie cavalerie féodale française. Notre princesse porte maintenant la couronne d'une reine. Désolé, mais je n'ai pas réussi. Donc maintenant, j'ai enfin le vrai... J'ai le vrai... Un message diplomatique est arrivé. Ouais, non, mais ça va, vous n'êtes pas à 15 km, les gars. C'est bon, quand même. De choisir l'éducation dont bénéficie le prince Douet. Nous avons reçu un message diplomatique. La Flandre, oui. Offre. Le soutien dans ta guerre, c'est contre quoi? L'Angleterre et la Germanie. La mission a été terminée, votre seigneurie. Sire, certains de nos sujets ont juré loyauté à un autre. Ouais, donc je vais aller éclater l'Aquitaine. Hein, qu'on soit bien d'accord, je vais aller éclater l'Aquitaine parce que j'en ai marre que ces connards se mettent à récupérer ma population. Je vais aller éclater l'Aquitaine. Voilà, je repasse à 100 et un bélier. Pourquoi je peux pas? Ah, il me faut la théorie du siège, d'accord. Faire un bélier. Et je vais aller éclater l'Aquitaine avec mes armées, là. J'en ai marre que les Aquitains... J'en ai marre que l'Aquitaine se permette de me récupérer des soldats des villes comme ça, là. Comme amis, ils ont la Castille. Et sinon, ils ont pas d'amis. Respectez mon autorité. Donc, on en troupe des archers, des lanciers... Plein d'archers, d'accord. Là, j'ai presque envie de laisser Poitiers seul et d'aller éclater si l'Aquitaine avec mes deux armées. Je présente la famille royale. Ma lame est affûtée. Attends, j'ai lui là, je vais le rappeler tout de suite avant qu'il se fasse service, si capturé par l'Aquitaine. Nos marchands s'est détérioré. Oui, 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 ta gueule. Et il va commercer avec la Bretagne. Faisons du commerce avec ces braves gens. Bonjour messieurs. Alors comme ça apparaîtrait... Attends, toi tu vas me récupérer aussi des enceintes de siège, toi. Alors, paraîtrait que vous essayez de spolier nos biens. Vous essayez donc de récupérer nos populations pour vous. Semblerait-il. Un camp de mercenaires a été repéré sur nos terres. Place au commerce. Ah. Donc semblerait-il, messieurs, que vous osez... Coucou, Srak. Ah oui, j'ai un mariage avec une de leurs filles. Donc pour ça, il faudrait qu'en fait, lui, il aille en Aquitaine. Commencer, ouais. Donc pour l'instant, je peux pas leur casser la bouche. C'est chiant. Je peux pas encore leur casser la bouche.
On a trop de liens ensemble. Soit faut que j'attende le décès de leur roi, soit... Une nouvelle construction a été achevée, votre seigneurie. Soit faut que je me débrouille pour en fait les rendre ennemis. En fait. Si je vais virer le curé. Notre prince est maintenant prêt à rejoindre la cour royale. Sire, on nous a déclaré la guerre. D'Aragon ? D'accord. Ok, donc c'est l'Aragon qui m'a attaqué. Bon, bah tant mieux, hein. Je vais pouvoir au moins utiliser mes nouvelles armées. Toi, je vais t'exiler, tu te casses. Je prierai pour vous. Ouais, ta gueule. Même si vous n'avez plus besoin de mes services. Je me tiens à votre disposition. Récupère l'enfant. Parce que normalement, il les a en fait directement... Pourquoi il les a pas directement maximum ? Le plus sage des dirigeants et sa famille. Ah, parce qu'il faut que le roi l'ait. Oui. À force que comme le roi l'a pas, c'est chier. Je vaux mon okay. Pesant d'or. Je peux désormais optimiser vos dépenses. C'est vous qui serez riche à présent. Chaque livre que je lis rapporte des bénéfices. Où pouvons-nous gagner de l'or ? Commercer avec Majorque. Je vis pour le profit. Donc là, j'ai une armée. Et l'armée du roi. La guerre est inéluctable. Nos éclaireurs ont repéré un camp de mercenaires. Près de Clermont, il y a un camp de mercenaires apparemment. Encore une fois, je vais les envoyer chez eux. Hein. On va s'amuser à faire la même chose. Hein. Ah, oui, ils ont vu un camp de Merco. Ah, il est oui, là. Oui, votre seigneurie. 3700 balles, mais c'est des hommes d'armes et des chevaliers féodaux. Mon premier accord commercial là-bas vient d'être conclu. Je suis ensuite, aussi insaisissable toi. Que la brume. Ouais, commence à détruire nos relations. N'est-ce pas ? Quelles sont vos volontés ? Ma lame est affûtée. Commence à réduire en cendres. Je vais commencer à y réduire en cendres. Si je veux commencer à le soudoyer. D'accord, c'est parce que je suis accaparé par une autre faction. L'ennemi tombera, je vous le garantis. Ah oui, mais ils n'ont que deux villes, en fait. Ils ont la Sardogne, ils ont Saragosse et Pampelune. Pampelune. Ils ont Pampelune. Les idiots s'y sont laissés prendre. Ah, mais tu continues, je hein. Vis dans l'ombre. T'arrêtes pas, hein. Ici, je vais prendre les écuries de guerre. Redoutables armées ont incendié une propriété ennemie. Un message diplomatique est arrivé. Donc là, je risque de perdre beaucoup trop de troupes. Je vais prendre le commandement et après cette game-là, j'arrêterai. Après cette partie-là, j'arrêterai. Là, je prends le commandement de mon armée. Bah non, la France a été. La France est germaine. Et bretonne. Prêt à faire tomber les portes. Ah mais Gizipoulas, bélier, casse-toi. À vos ordres. Prêt pour le combat. Préparez vos lances. Archer, prêt. Cessez le tir. Prêt pour le combat. Nous attendons la cible.
Tirez librement. Nos lances sont prêtes. Je dois être bien protégé. Prêt pour le combat. Je dois être bien protégé. Ma vie est précieuse. Avancez. Ah bah il y a deux armées, tiens. On va faire les deux armées d'un coup, comme ça. Il y a le maréchal Bartholomé aussi. Et le comte Ordono. 3 unités de cave, hein. Une armée hostile a rejoint la bataille contre nous. D'accord, et le maréchal y rejoint avec pas d'unité là. Prêt pour le combat. J'ai l'impression qu'ils envoient toutes leurs caves du même côté pour l'instant. Donc on va envoyer les lances du même côté. Préparez vos lances. Avancez. Notre point de contrôle est contesté par l'ennemi. Je commande ici. D'ici, nous pourrons voir la bataille. Nous attendons la cible. Prêt pour le combat. Visez, tirez. Les archers ennemis essaient d'empêcher notre percée. Ma vie est précieuse. Sang et acier. Rapprochez-vous de l'ennemi. D'accord, donc ils tirent dans le bélier en fait, cette bande d'abrutis. Ok. Je dois être bien protégé. Archer, prêt. Bonne soirée, Sin. Pour la bonne bouffe. Pour le cassoulet. Avancez. Courez, courez, courez. C'est pour ça qu'on nous paie. Gardez le rythme! Nous sommes contournés par le flanc! Ces faibles se sont enfuis! J'ai clairement des meilleurs Archer, guerriers qu'eux, donc. Nous attendons la cible! Prêt pour le combat! Ma vie est précieuse! C'est pour ça qu'on nous paie! Faites halte ici! Ok. Préparez vos épées. Alors là, il y a un paquet à taper là. Ma vie est précieuse. Il nous contourne par le flanc. C'est pour ça qu'on nous paie. À vos ordres. Préparez vos épées. Déplacez-vous vers une position plus adaptée. Et donc là, j'ai fait fuir leur commandant. Essayez d'avancer plus vite. Les troupes ennemies perdent rapidement d'espoir. Ma vie est précieuse. Préparez-vous à l'impact. C'est la sortie. Ok, là ça sent plus aussi. C'est lourd. Prêt à faire tomber les portes. Avancez. C'est lourd. Prêt pour le combat. Tirez sur la cible. Je dois être bien protégé. Portez des coups précis. L'ennemi s'empare de notre point de contrôle. Marchez ! Nous sommes en route ! Là, j'en mets une charge dans le dos. Nos lâches adversaires. Et voilà. Se retirent du champ de bataille. Comment récupérer deux seigneurs ennemis à réenvoyer chez eux pour le prochain stream ? Hein ? Gentiment. L'ennemi a été tué. Bonne nouvelle. L'ennemi s'est rendu. Ah non, un seul. Combien ça me coûterait de leur envoyer ? Car j'ai épargné nombre de vos hommes. Le mec il s'est fait dégommer, mais j'ai épargné vos hommes, hein, attention. Bon, et bah sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié ce stream. On se retrouve normalement demain. Peut-être pour de la peinture, demain, je verrai, si j'ai envie. Peut-être pour de la peinture. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à follow si vous avez apprécié. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, bah, n'hésitez pas à lâcher à vous appuyer sur le bouton s'abonner, ça aide toujours, à mettre le petit pouce bleu, ça aide toujours aussi, et à nous rejoindre en live pour déconner avec la commu, pour déconner avec les copains. Voilà, je vous fais des gros bisous en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée et profitez parce qu'il y a une petite outro qui a évolué aussi. J'ai une outro maintenant.
qui rappelle les temps du stream d'il y a à peu près, je crois que je l'avais il y a 3 ou 4 ans, c'était outre.